Qui sera notre nouveau personnage? Teint ses cheveux couleur chocolat. Choisis du tissu. Découpe le patron. Coule les bords. Et c'est cette robe? Décore sa tenue avec des motifs. Elle porte une ceinture assortie. Valentino, arrête! Oh, j'ai la tête qui tourne! Asha, viens avec nous! Je vais porter tout le monde! Asha et sa copine font un tour sur la chèvre. Salut! Hello. Comment tu t'appelles? Chris, et vous? Dahlia, Asha, sympa ton cheval! Thank you. On fait la course? À vos marques, prêts? Partez! Asha a pris de l'avance. Ton cheval n'est pas très agile. L'amitié a gagné. Les enfants s'amusent tous ensemble. Hi. Qu'est-ce qu'on a là? Asha a grandi. Teint ses cheveux. Wow. La valise miracle est remplie de fils. Prends une bobine. Tresse les cheveux. Quelle coiffure stylée! Détour sa silhouette. Amazing. Découpe le tissu. Utilise la machine à coudre. C'est parti! On a fait un petit chemisier. Et c'est cette robe. Ajoute un haut. Quel col original! Une ceinture. Et une paire de chaussures tendance. Merci pour la tenue. C'est le jour de marché. Comment tu vas porter ça? C'est lourd! Attention! Oups! Oh, désolée, je t'avais pas remarqué. Je vais t'aider à tout rassembler. Oups! Leurs mains se sont touchées. Valentino, c'était pour le repas de ce soir! Oh my god! Allez, on rentre à la maison. Sure. Goodbye. Des fleurs devraient lui faire plaisir. Hé, hey, Asha! Attends, c'est pour toi! Du chou? J'en ai pas besoin aujourd'hui. Zut, mon plan n'a pas marché. Une agence de rencontres? Maître Coq, j'ai besoin de ton aide. Comment je peux réussir à gagner le cœur d'une fille? Eh bien, pour ce genre de situation, j'ai un livre spécial. Où est-il? Ah, voyons voir. Inviter la fille en date et lui offrir un bouquet. De vraies fleurs. Je suis pas vraiment douée pour ça. Lalilou, on va avoir besoin de ton aide. On s'en occupe. Lali Cadabra. Découpe des pétales. Une, deux, trois, quatre, cinq couleurs. Coupe du fil de fer. Courbe les tiges. Rassemble les pétales. Torsade les tiges ensemble. Noue-les avec un ruban. Choisis un fond. Trace le contour. Découpe-le. Signe l'invitation. Cher Asha, il y en a une qui va avoir une surprise romantique. Remettez ça à sa destinataire. Ce sera fait, boss. Oh, c'est pour moi? Est-ce que j'accepterais d'aller à un date? Je m'y attendais tellement pas. On dirait que c'est ici. Asha, t'es venue? Assieds-toi. Oh, quelle surprise! Tout se passe comme prévu. Oh, quel beau couple! L'étoile de l'amour est descendue voir le couple. On dirait que ça manque encore de romance. On va arranger ça. Y a quoi sous le couvercle? Prends de la pâte Fimo. Coupe un morceau. Sculpte une petite étoile. Dessine un visage. Découpe une paire d'ailes. Et n'oublie pas l'arc et les flèches d'amour. Le couple a vieilli, mais l'étoile de l'amour est toujours là. Je suis tellement heureuse avec toi, mon chéri. Voilà, la table est mise. C'est magique! Merci, petite étoile. Oh, quel joli couple! Oh non, le roi a enlevé l'étoile! Tous les souhaits seront exaucés. La voilà, mon amour, ma reine. Vite, fais en sorte qu'elle tombe à nouveau amoureuse de moi.
Ah, tu veux la jouer comme ça, hein? Dans ce cas, je vais te donner à mon araignée. Ça te dit pas? Alors je vais t'enfermer dans une cage. Mais où est-ce que je peux en trouver une? La Lilou, aide-moi. J'ai besoin d'une cage. Je paierai beaucoup d'argent. Bon, d'accord. Dessin plus argent égale? Tu vas le découvrir tout de suite. Dessine l'emblème de Magnifico. Enroule du fil de fer autour. Installe des barreaux. Ah, mon bien-aimé, on sera bientôt à nouveau ensemble. Maintiens la cage. Ajoute une serrure et une perle. Comment ça se passe? Voilà ta commande. Excellent. Maintenant, j'ai une cage. T'es trop méchant! Entre là-dedans. Bientôt, tu réaliseras mon vœu. T'as peur des chatouilles? T'es une dure à cuire. Tu te souviens de ta famille? Oh, si! T'entends ça? C'est l'étoile! On doit la libérer! Hé, hey, vous avez besoin d'aide? Dahlia, oui! Thank you. On va trouver quelque chose. On a besoin d'un plan. La Lilou, tu veux bien m'aider pour mon look? C'est pas trop mes couleurs, tout ça. Excellent choix! Détourne le patron. Découpe-le en laissant de la marge. On a deux moitiés identiques. Il ne reste plus qu'à les coudre. 1, 2, et c'est fait! Il faut décorer. Dessine des motifs. Mets-en sur le col et les manches. Et voilà, ma belle! Good. Et un tablier, bien sûr. T'as oublié mes lunettes? Ah, c'est vrai! Utilise du fil de fer. La monture est prête. Génial! Est-ce que ça me va bien? Prends cette canne. Et la touche finale. Merveilleux! On doit se dépêcher! Comment on va sauver la petite étoile? Acha, ma baguette! Chris, le tableau. Et moi, je vais préparer le plan. Oh, des viennoiseries? Let's go! On va l'écrire ici. J'ai la baguette! Super! Alors, qu'est-ce qu'on a? Un roi maléfique. Et dangereux! Et une pelote de laine. On va l'attacher et libérer l'étoile. En avant, toutes! Mais où est-ce qu'on va trouver une pelote? La Lilou arrive à la rescousse. Prends du papier mousse. Fais un dessin dessus. Découpe-le. Assemble le sac. Coule le bord avec du fil. Décore le sac. J'ai apporté la pelote! Dans le mille! Bravo! J'ai du fil. Hourra! On a tout. C'est parti, les amis. On va y arriver. Libère immédiatement l'étoile. Pas avant que mon vœu soit exaucé. Non! Eh bien, dans ce cas, ton temps est compté. Bientôt, tu rencontreras mon araignée. Du calme. On va l'aider. Hé, psst, Valentino! Distrais-le. Hé hé, le roi. Quoi? Tu fais rien pour attendre. Pour qui vous prenez? Bien fait. On t'a eu, sale méchant. T'es attaché. Ah, vous allez le regretter. Le temps presse, vite. Non. Acha, coupe le fil. Lequel? Le rouge? Le bleu? Ah! Je vais mordre les deux. Ça a marché. Bravo, Valentino! Ah, l'étoile de l'amour est sauvée! C'est pas terminé! On va passer au plan B! Le plan I? I love you? Une chanson à la mandoline fera sûrement fondre son cœur! Plie une feuille! On a un moule! Détourne-le sur du carton épais! Découpe une silhouette! Colle-la! Ensuite, le manche! Peins le tout. Dessine des motifs. Ajoute des cordes. C'est pour toi, Chris. Wow. Valentino est au chant. Acha va bientôt arriver. Mon micro est prêt. Regarde pas encore. Qu'est-ce que t'as prévu? Let's go. Ouvre les yeux. Okay. Wow!
Cette chanson est dédiée à Asha. Je veux passer ma vie avec toi. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Il me demande en mariage? Star of love, you light their way. Que ta vie soit merveilleuse. C'est trop mignon. Oui, je veux t'épouser. Ça va pas se terminer comme ça. Bonjour et bienvenue chez moi. Voici quelques-uns de ses habitants. Attends, Valentino! Est-ce que ça va? Laisse-moi t'aider. T'es vraiment sympa. Comme c'est romantique! Si seulement j'étais Asha. Lalilou, tu peux nous aider? Voilà notre référence. Prends des fils. Fais des tresses au crochet. Et voilà! On a une nouvelle coiffure. Coupe les pointes. Maintenant, on va passer à la robe. Ma couleur préférée! Trace un cercle. Découpe-le. Prends le tissu. Coupe les moitiés ensemble. On va passer à l'essayage. Ajoute une jupe. Peins le bas de la robe. Ajoute un ruban de sequin. Et un collier. Asha est magnifique. On m'attend. Chris! Oh, Asha, waouh, t'es tellement belle. Tu sais quelle heure il est? C'est l'heure de s'embrasser. Une famille heureuse se trouve à côté d'eux. Oh, ils sont trop mignons. J'aimerais vivre la même chose. On a notre petit aussi, Valentino. Chichi, c'est une merveille, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ciel, exauce mon vœu. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai eu. Prends de la pâte à modeler. Forme une étoile avec. Voilà les 5 rayons. Prends de la peinture blanche et jaune. Et un pinceau. Dessine un visage. Waouh, notre étoile a pris vie! Je suis la bonne étoile. Je m'appelle Asha et voici Chris. Hello. Et Valentino. Tu peux exaucer un souhait? Yes. J'ai un rêve. Ce sera fait! On dirait que notre petite étoile aime bien la chèvre. C'est quoi ton vœu? Fastoche! Qu'est-ce que... Je peux parler? Quoi? Eh, hey, pas mal ce timbre! Wow, incroyable! Salut les enfants! Je vais leur remonter le moral. Un panier rempli de bonbons apparut. Miam! Bonne étoile, tu es fantastique! Je suis le seul à qui on devait exaucer les vœux. Cette étoile sera à moi! Hé, hey, Lalilou! Je veux changer de look. Lave son visage. Prends un pinceau. Dessine des sourcils arqués. Oh, il y a quoi dans cette boîte? De la laine. Le barbier de Lalilou a du boulot. Mets-lui une moustache et une barbe. Raccourcis ses cheveux. Prends ses mesures. Les ciseaux, vous avez du boulot. Waouh, une tenue blanche comme neige. Essaye-la. Parfait. Ajoute des motifs. Une ceinture de luxe et une étoile. Il est temps d'exécuter mon plan. Je vais capturer l'étoile dans ce sac. Et elle sera à moi. Tu veux du pop-corn? On va en faire. Tu veux choisir un film? Un véritable drame se passe à l'écran. Comme c'est triste! C'est maintenant ou jamais. Vite dans le sac. Elle est rapide. Il me faut un filet. Comme celui-là. Je te tiens. Relâche-la. Va-t'en, petite chèvre. Bye. Oh. Nous voilà. Où est la petite étoile? Le roi l'a volée. On doit la sauver. Ce sale type a plus de pantalon. Si, si. On va utiliser les jumelles.
Je les vois. Chérie, regarde. Ok. Prends du papier craft. Trace le contour d'une carte. Découpe-la. Il n'y a qu'un seul bon chemin. L'autre mène à des aventures périlleuses. C'est bon, on sait où on doit aller. Il faut qu'on se rende au château du roi. Mais comment on va trouver le chemin? Prenez cette carte! Regarde! Ok, à droite. Vaut mieux éviter. On doit prendre ce chemin-là. C'est parti! Où vous allez sans moi? En avant toutes! Oh, un panneau! De quel côté on devrait aller? Le château du roi est à l'ouest. Ce panneau indique qu'il y a un poulailler à cet endroit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais échanger les panneaux. Ils me trouveront jamais. Hihihi. On va se débarrasser de cette carte. La flèche pointe dans cette direction après tout. Suivons-la. Hey, Valentino? La chèvre s'est trouvée une copine. Hey, c'est pas le moment d'organiser un rencard. Oh, à plus tard, beauté. Ça ressemble pas au royaume? Tous ces œufs! On est dans un poulailler ou quoi? Doucement, je vais te les rendre! Il nous faut de la pâte à modeler. On a plusieurs couleurs. Mélange-les. Forme un petit poulet. Découpe les ailes. Peins les yeux. Ajoute un bec. Et des pattes solides. Voici la chèvre des poules du poulailler. Les poulets, est-ce qu'on peut discuter? C'est quoi ce bruit? Vous entendez ces pas? C'est la chèvre des poulets qui m'a appelé. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, Miss, on cherche le roi. Lui et moi, on a une affaire personnelle à régler. Je vais vous guider à lui. Ce voyou vit dans le château. Let's go! Enveloppe un cylindre transparent dans du papier mousse. Place un moule en plastique par-dessus. Dessine l'emblème du roi. Remplis le moule d'eau. Il n'y a pas de poisson dans cet aquarium. Alors, pour qui il est? Laisse-moi partir! Le roi suspendit l'étoile au-dessus de l'eau. Tu t'échapperas pas! Je vais rajouter de l'eau. Exauce mes vœux. Sinon, dans une minute exactement, tu tomberas dans l'eau et tu t'éteindras à jamais. Au secours! Bonne étoile, on est là! Trop tard! Oh non, notre bonne étoile est tombée dans l'eau! Elle a refusé d'obéir à mes ordres. Est-ce que t'as au moins essayé de demander gentiment? Prends ça! Ça, c'est pour les nuggets. À l'aide! La poule pondit un œuf énorme sur lui. Demander gentiment? Qu'est-ce que ça veut dire? On doit rallumer l'étoile. La Lilou, il nous faut du feu. Prends un bâton. Enlève le bouchon. Mets-le au bout. Couvre le bâton de colle chaude. Ajoute de la texture. Prends un embout métallique. Fixe-le. Rajoute de la cire de bois. Flamme, tu peux nous aider? Avec plaisir. Asha, utilise cette torche. Hourra, merci. Vite! Cette torche va te sauver. Je veux voir ma famille. Regarde, c'est le ciel étoilé. Tu dois briller pour eux. Ma famille! Je peux le faire. Je vais y arriver. La bonne étoile réalisa son dernier souhait. Asha porte des enfants. Des bébés! On va être parents. Il est temps pour moi de filer. Oh, je suis où? Des enfants? T'as causé assez de chaos. Réalise une coiffure. Forme des rayons. Utilise un pinceau.
Quelle petite fille rayonnante! Merci pour la peinture! Change la couleur des cheveux. Prends de la peinture violette. Nos précieux bébés! Et s'ils étaient magiques? Je vais les kidnapper! On doit protéger nos petits! Tu t'en prendras plus à nos proches! C'est ce qu'on verra! Je vous ai eu! Personne ne m'arrêtera! Allez dans le sac! Non! Mes bébés! Je vous tiens, hi-hi-hi! Surprise, surprise! T'es en état d'arrestation! C'était un piège! Tu t'en es pris aux mauvaises personnes, Magnifico! Voici le criminel Magnifico, monsieur. Okay. Je recommencerai plus. Ça, c'est sûr. Oui. Quel beau ciel étoilé. Tout le monde rêve que ses souhaits se réalisent. Et Asha ne fait pas exception. Tiens, une boule magique. On va l'amener à l'atelier. Voici les matériaux qu'on va utiliser. De l'amidon de maïs, de la colle PVA. Mélange bien. Ajoute des colorants. Le mélange miracle est prêt. Forme une petite étoile. Dessine un visage. Des paillettes. Tu crois qu'elle peut exaucer les souhaits? C'est qui? Les enfants et moi, on a décidé de s'arrêter vous rendre visite. Merci d'être venus. Oh, comme ils ont grandi! Oh, ils sont vraiment adorables. Je peux pas imaginer ma vie sans eux. Bon, je vais y aller. Bye bye! On devrait aussi devenir parents. Oh, j'en rêve! Tu peux exaucer mes vœux? On aimerait vraiment avoir un bébé. On a une fille! C'est ainsi que la petite Asha est venue au monde. Le casting est annoncé pour le rôle d'Asha. Good! Au boulot! Nettoie son visage. Dessine ses yeux. Prépare une serviette pour faire un bonnet. On a besoin d'un bâton de colle. Coupe le surplus. Peins le bonnet en marron. Great job. Utilise des lacets en guise de tresse. Dessine une robe. Découpe-la. Coud des patrons à la machine. 1 et 2. Essaye-en une. Et l'autre. Parfait! Ajoute des strass étincelants. Et une ceinture stylée. Waouh, t'es tout simplement éblouissante! Le balcon d'Asha offre une vue magnifique sur le royaume de Rosa. Je vais arroser les fleurs. Maintenant, je peux prendre mon petit déjeuner. Chérie, tu pourrais me donner une miette pour que je mange? Bien sûr, sers-toi! Thank you! Quelle gentille fille! Bye. Oh, si seulement je pouvais aider tout le monde dans le royaume! Je peux réaliser ton souhait? Vraiment? Regarde! La fillette est triste. Wow. T'as réalisé mon rêve. Thanks. Goodbye. Oh, je suis tellement heureuse. Oh, mon dos. Mes années de jeunesse sont tellement loin derrière moi. Oh, c'est juste fantastique. Maintenant, les miracles sont réels. Qui sera notre nouveau héros? Recouvre la figurine de pâte à modeler autodurcissante. Sculpte des oreilles. Dessine un visage. Mets-lui un costume jaune. Ajoute du fil de couleur. Valentino le bouc est un sacré petit coquin. C'est une journée magnifique à la ferme. Désolée, l'ami, je te comprends pas. Si seulement tu pouvais parler. La petite étoile se précipita à la rescousse.
Alors, qu'est-ce que tu lis? Des recettes. What? Tu peux parler? On dirait bien qu'il y en a une qui t'aime bien. Offre-lui une fleur. Ma belle dame, c'est pour toi. Thank you. Oh, qu'ils sont mignons. Bienvenue dans le monde des expériences. Assemble des pièces en plastique. Vieillis la peinture. Verse du détergent dedans. Utilise un bouchon. Prends une paille. Place une balle dans une sphère. Fixe-la au sommet. Et voilà! On va tout mettre en place. Et si on jetait un coup d'œil dans le labo secret? Rien de nouveau. Quel ennui! Votre Majesté, vous pouvez exaucer mon souhait? Je veux un poney. Okay. Je te l'accorderai bientôt. Suivante! Merci! Je vais cacher ça ici. Votre Majesté, je rêve de me marier. Tu auras un prétendant bientôt. Donne-moi ton vœu. Direction l'étagère. Pourquoi il les cache? Hein? T'exauces pas les souhaits? C'est pour ça que les gens souffrent. Certains souhaits ne se réaliseront jamais. Et c'est pas tes affaires d'ailleurs. Hey! Moi, je vais les aider. Dans mon labo, ces souhaits prennent une toute autre signification. Prends un tube en carton. On a besoin de scotch. Enveloppe la construction avec. Applique de la colle chaude. Prends de la peinture marron. Peins toute l'écorce. Ajoute de la mousse et des branches vertes. Ça manque de fleurs. Oh waouh! L'arbre a bourgeonné. Oh, il est magnifique. Les gars, regardez! Quel bel arbre! Waouh, il y a plein de fleurs. Attends, un oiseau est tombé. Le pauvre! Oh. On va le remettre dans l'arbre. Bien joué, Valentino. Yeah. On a aidé les oiseaux. Jette un petit coup d'œil à l'intérieur de la boîte. Toutes ces couleurs! Garde l'argenté. Dessine une armure. Essaye-la. Fixe les bretelles. Cool! Prends cette peinture, la Lilou. Vieillis-la avec du cuivre. Ajoute des rivets. Prends un bâton. Coupe le manche. Peins la lame pour qu'elle ressemble à du métal. N'oublie pas ton épée, mon pote. Bonne chance pour la bataille. Hi. Je peux avoir un Eskimo? Bien sûr. Thanks. J'en veux un aussi. Je peux avoir un cône? Pas d'argent, pas de glace. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je sais, il y a toujours plein de pièces dans la fontaine. Yeah. C'est pour toi. Oh. Tiens. Yahoo. Elle est bonne? Donne-la-moi. Non, c'est la mienne. Ah, plus maintenant. Bah pourquoi t'es si triste, gamin? Je veux devenir aussi fort qu'un chevalier. Maintenant, je peux aller récupérer ma glace. Bonne chance. Tu embêteras plus les plus petits que toi. Oh, reprends-la. Que la course commence. Oh non, un accident! Vite, direction l'atelier. Utilise un cutter. Fixe les roues. Assemble le cadre. Colle des pailles au-dessus. Ajoute des détails. Découpe du polystyrène. Ajoute de la peinture. Fixe l'aile. L'avion est prêt à décoller. Let's go! La bonne étoile se cache du roi Magnifico. Tous les souhaits seront à moi!
Tu ne m'échapperas pas. Je vais t'attraper. Ah, laisse-moi tranquille. Ce trampoline devrait m'aider. Toujours pas assez haut. Ah, un avion? Let's go! Hihi, je t'ai eu. La bonne étoile a été capturée. Gotcha. Prends une brochette. Attrape une pierre précieuse. Fixe-la sur le sceptre. Utilise un pinceau. Peins la couverture d'un livre. Il appartient à Magnifico. Oh yeah. Maintenant, la bonne étoile n'appartient qu'à moi. Je vais l'ensorceler pour qu'elle ne m'échappe pas. Oh non, l'étoile s'est éteinte. Oh, Asha, dépêche-toi, elle est là. Fais pas de bruit. Oh non. La pauvre a perdu de sa luminosité. On va trouver les réponses dans le livre. On doit pas réveiller le roi. Tout ça, c'est à cause du sceptre. Et si on le cassait? J'espère que ça va marcher. La bonne étoile a repris vie et s'est rallumée. Hourra! On doit vite sortir d'ici. Prends un oiseau. Passe-la. Sculptez-en un. Utilise du fil de fer violet. Forme des pattes. Dessine les détails. Utilise un pinceau. Les poules se sont rassemblées autour des grains. Pour la première fois sur scène, je vous présente mon équipe de poulettes. On a hâte de voir. Peut-être qu'elles vont apprendre à chanter, ma petite. Veuillez applaudir Valentino et ses poulettes. Waouh, quel talent! Valentino, c'est incroyable! Tu mérites un trophée. En plus, il y a des graines dedans. Bravo, bravo!